Donc on est reparti, salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total War Remastered. Ce soir on va continuer notre campagne avec les Macédoniens. On avait fait pas mal de batailles contre les Thraces et un peu contre les cités grecques. Nous avons pris pas mal de villes comme Byzance, Tylis, le campus Getae et Athènes. Donc ce qui nous met plutôt en bonne position sur le continent, enfin sur la Grèce. On va continuer notre expansion, donc si on pouvait au moins chasser les Grecs de... Les cités grecques de la Grèce, ouais. Ça serait bien. Peut-être récupérer Apollonie si c'est possible. Et ensuite s'occuper des derniers bastions des cités grecques un petit peu dispersés. Donc là, déjà, on va se reformer un peu nos troupes et se remettre en route pour la suite de notre campagne. Alors, que me proposent les cités? Salutations. Alors, moi, je te propose mieux. Une proposition des Voilà, plus comme ça là, généreuses. on est tranquille. Un autre commandant adopté à Athènes, je dis oui. Oui. Alors, toi, tu viens embêter le monde là. Seigneur, vos ordres? Comme ça là, on va former une petite armée. On va servir cette base là pour aller chercher Sparte. Et le reste ira chercher Thermon. Je pense qu'il y a moyen de faire un plan comme ça. Je continue de recruter des piquets longs. Mon armée là du nord. Je vais rapatrier des unités. Elle va se rapatrier vers Thessalonique d'ici quelques tours. Je vais faire quelques piquets aussi en défense. Là, on a pas mal d'argent, donc on va se permettre d'augmenter un petit peu les taxes. Et de faire aussi des constructions. Alors, un temple ici, oui. On va améliorer l'Arissa au niveau supérieur après la construction. Des fermes. Quelques unités de cavalerie pour de la mobilité, je dis pas non. À Thessalonique, ça bâtit bien. À Corinthe, on va améliorer le temple d'Artémis. Ouais, non, ça construit de partout. Ça, c'est le plus important. Ouais, on a beaucoup de rebelles, hein, à gérer. On pourrait peut-être embarquer quelques troupes ici. Voilà. On aura une bonne base d'armée là. Alors toi mon vieux, c'est pas que tu me gênes un peu, mais tu me gênes un peu. T'as quoi là-dedans? Oh, des archers crétois, il a recruté le monsieur. Bah bravo. Dommage, en plus c'est des très bons mercenaires les Crétois. Et je crois que j'ai commencé aussi à faire une flotte à Athènes pour envahir Rhodes rapidement, ils me mettent bien. Ils sont où les autres Gugus là? Évidemment. Oh mon général, attention. Oh. Loué soit les dieux, le général ennemi a été tué. La peur. Ouais, on a pris cher quand même, hein, avec cette foutue colline. Alors avec cette armée-là, on va partir là.
Et là, j'ai commencé à rassembler mes troupes déjà. Oh, on a pas mal de mercos qu'on va embarquer. Et on va se mettre en route jusque cette cité. Là, je continue d'améliorer, je vais faire des lanciers légers. Oh, les skippies, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous avez rien à faire ici, les mecs, hein, à moins que... À moins qu'il y ait une surprise encore, j'ai loupé. Je vais quand même décaler mes troupes là pour avoir des défenses. Vous sentez le coup fourré arriver? Les DAS, tiens, tiens, ça faisait longtemps. Alors, ça attaque. Ok. C'est surtout eux qui me font peur. Je vais la tenter, hein. Si on peut récupérer Sparte avec un peu de chance. Il va falloir éviter le contact impérativement. Attendez mes ordres. Bélier. Laissez le bélier. Tirailleur. Archer. Piquier long. Piquier long. Piquier long. Conscrit. Conscrit. Unité au pas de course. Ah, ils vont tenter une sortie ou quoi? Unité. Alors attention ici, hein. Putain, il nous déboîte en vrai, hein. Non, 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 mais il est fou, lui. On va essayer de les encercler complètement comme on peut. Oh, les Sparsets, ils aiment pas trop les tirs, apparemment. Ça va piquer, ouais, je sais. On a réussi au moins à faire tomber une de leurs unités de piqué. Par contre, toi, faut que tu arrêtes d'aller au suicide. Je crois que tu as des temps de se suicider, mon pote. Un Lizou. Deuxième unité qui craque, c'est bien. Alors, on l'a eu. Saleté de Spartiate là.
On va reculer. Ouais, ça a piqué, mais ça aurait pu être pire. Après, on pourra récupérer, peut-être on pourra reformer nos troupes rapidement. Déjà, si Sparte tombe, c'est très bien. Alors je veux bien que ce soit des hoplites lourds. Voilà. Et comme ça on prive les cités grecques d'un centre de recrutement de hoplites lourds à Sparte. Et juste pour le principe... Alors, vous êtes quoi dans votre... Vous avez quoi là-dedans? Bon, beaucoup de peltastes, ouais. Ils ont un archer crétois là. Ils ont juste leur commandant qui va être pénible. Beaucoup de tireurs, beaucoup de trash d'unités. Ils ont beaucoup de hoplites aussi. Mais en vrai, si on les massacre tous là, ça va faire mal, hein. Oh, ils ont la hauteur pour eux, c'est pas vrai ça. C'est dégueulasse. Je vais garder des troupes en réserve. Ils sont sûrs de me battre, hein, c'est incroyable. Mais moi, je suis sûr de pouvoir les battre. Comment faire fuir une unité comme ça? En plus, c'est une unité de tireur, bah ça tombe bien. Comme ça, on va diviser en deux leur corps d'armée. Ils ont complètement isolé leur tireur, donc ça c'est bien. Attention ici, hein. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur. Peltas, Peltas, c'est bien. Les lanciers légers ici se sont fait avoir, mais c'est pas grave. Bon, maintenant on va se pousser, là on va avancer la ligne. Les bastards, on va essayer de s'en servir pour flanquer. Là-bas, on a réduit à un quart de leur armée en moins. Oh, mais ils vont tellement souffrir là, en s'en panant sur ma formation. Mais je t'ai pas... Mais pourquoi tu t'arrêtes au... Là, je t'avais dit de t'arrêter comme ça, voyons.
Oh, là, il y a eu un beau craquage. Bon, si c'est que ma mise qui craque à la limite, je m'en fous. Là, bon, avant pour moi ça piquait, mais là ça pique pour eux maintenant. Bon, sinon c'est quand vous voulez les mecs, hein. Là, ça commence à tomber, là. Là, je vais me servir des pétasses pour la poursuite d'unité. On te les a wipe, mais c'était beau, hein. Des ennemis débordent de peur et ils s'enfuient. Unité en avant. Quelle brillante victoire. Votre succès est total. Donc on a réussi à dégommer une armée de grecs, c'est bien. Là, par contre, il veut toujours pas sortir. Hein. J'ai renforcé mes lignes. Là, en fait, ce qui m'énerve, c'est leur cavalier là. Les bleus te font coucou, ouais, j'ai vu. Mais. J'ai mon arme. Une proposition voilà. Des plus généreuses. Bienvenue, cher ami. Attaquer une faction. Et si je t'offre un paiement unique de 11 929. Une proposition voilà. Des plus généreuses. Bon là par contre on va refaire nos troupes. Ah on peut avoir même accès à la cavalerie grecque. Ici c'est le temple de Niké que je vais retransformer. En temple d'Arès. Là, notre armée elle arrive bientôt à Thessalonique. Et en vrai, je pourrais peut-être me servir de cette base d'armée de Thessalonique pour aller chercher directement Pergame. Hein. Mais bon, faut que je me repousse les Daces déjà. Allez, on va aller chercher Termon. Là, le but, ça va être d'essayer de vite prendre Termon et se mettre bien, quoi. Soldats, c'est le bâtiment. À mon commandement, l'ours, unité.
reçu les renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Il vient d'où le renfort déjà? Oh, ils sont juste là, ok. Allez, on va aller chercher ces peltasts ici. Attention. Salut Xebus, salut Squash, bienvenue, bienvenue les mecs, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer de régler un petit problème de cité grecque avec la Macédoine. Et on casse la gueule à des Grecs à des Spartiates. Salut Pritkop. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. Bon là ça pue un peu au centre. Ce ne sont pas des soldats mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Loués soient les dieux, le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ces soldats. Allez, on bousille tout ce qu'on peut. Bref, tu es dans la salade, dans la soupe de phalange, on peut dire ça. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en, brisez l'élan de toute son armée. Il me reste encore quoi à battre? Voilà. C'est quoi ça? Hoplite. Allez, ouf, encore une unité de moins. Il reste quoi? Ah, c'est du hoplite lourd, quelle horreur. Bon. Son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins. Cette victoire plaira aux dieux. Ouais, on a pris cher, hein, mais eux aussi. Donc là, le but, ça va être de essayer de faire tomber Termon. Mais là, c'est pas gagné, hein. J'ai un peu... Je suis moyen chaud, là. Bon, bah Termon va tomber pour le principe. Voilà. Comme ça on fera aussi rapatrier nos piquets à Larissa. Pressez-vous, notre patient une plaisante. T'es sûr? Bon, on va tenter une sortie avec nos gars là. Bon, ils ont beaucoup de tireurs. Qu'on peut vite arrêter, c'est un héritier de faction, on a des piquiers. On peut tenter une sortie. Hein. Donc là, ça fait qu'on a 10 villes pour l'instant, il nous reste encore 5 à aller chercher. Sachant qu'il y a Rod qui m'attend. Alors, il y a un détachement là, attention. Les défaucheurs aussi. Attention les faucheurs. Ouf, tout pile. Donc ils vont venir vers moi, c'est ça que je veux. Je vais tenter de provoquer leurs archers vers moi.
miliciens au bout. En vrai, je peux peut-être tenter un move comme ça. Il tire sur mes archers, ça m'arrange. Comme ça, moi, je les flanque là. Oh ouais, bien sûr. Ça sort d'où ça, ces trucs là? Oh. Bon. Ok, on va pas faire la sortie. On va attendre nos renforts, on va aller leur donner une leçon. Et s'ils veulent. Ou alors on les laisse venir et ensuite. On va faire ça. Hein. Non, on va pas sortir. Ok, je note. De toute façon, on sera meilleur en défense qu'en attaque avec cette compo d'armée. Il faut que j'attende à la place. Bon, ok. On a notre armée là qui va arriver bientôt. Voilà, notre armée elle est bien refaite ici. Oh, bonjour les brutis. Seigneur, je vais leur parler sans tarder. Je vais pas demander d'alliance avec eux. Seriez-vous prêt à envisager tous nos remerciements ? Il y a un peu trop de Romains ici. Hein. Déjà cet archer là je le rapatrie ici. Voilà, hop, lui, il dégage. Là on les a repoussés, c'est bien. Oh, la crête elle est là. Hein. Là, je vais faire solidariser mes troupes ici. Là, je vais refaire des routes aussi. À Athènes, on va faire une écurie. Des murs ici. Des mines améliorées. Je vais faire une forge. Des murs. Là, on va être à la frontière là-bas. Une forge, des égouts. Quelques piquets de renfort sont pas de superflu, je pense. Ah, les brutis, comme c'était attendu. Nous sommes encerclés. Aux ordres ? Oui, grand stratège. Ok, bah là on a le prétexte pour aller attaquer Apollonie. Hein. Sire, oui, grand stratège. Oui, grand. Aux ordres. Trois devant. Construisez une tour. À l'attaque. Ok. Aux ordres. Détruisez-les. D'accord, on va devoir jouer contre les Astati romains et les Écoutes. Bon, c'était un peu attendu qu'ils nous attaquent, mais bon. Là, en fait, si je me mets bien à Apollonie, je repousse les Romains, je les massacre, je pourrais peut-être tenter un coup sur Apollonie aussi. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir, certes, mais plus encore pour vivre. Donc ils vont avoir deux unités de d'écoutes. En vrai, ma cavalerie de Macédonienne, elle devra faire la différence. Eux, ils vont avoir un rôle important contre leurs écoutes. Unité. Unité. Loué soit les dieux. Les renforts sont ici. Envoyez-les combattre l'ennemi. Semez le doute en lui. Il y a quand même du cran, je vais pas lui retirer. M'attaquer en infériorité numérique. Bon, après, je sais que ce sont les Romains. Hein.
Oh, il se replie. Bon. J'ai pas compris, mais soit. Tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire. Bon. On va se remettre ici en forme, en position. J'ai amélioré tout de suite tes saloniques là. Au niveau 4. Bon, au moins ça nous laisse une opportunité sur Pony. Je surveille un petit peu l'armée qu'il y a dans le coin. Donc là, ça nous fait toujours 10 régions. Il va nous en manquer encore 5. 1, 2, 3 peut-être, 4. Peut-être si on a déjà récupéré ces 3 là, et après il faudra peut-être aller voir Syracuse. Ouais, Syracuse, ça m'enchante pas d'y aller, hein, sincèrement. Je vais faire un port aussi. Oh, bonjour, vous. Oh, ils ont des chiens. Je vais essayer de voir si je peux pas recharger avant. Cette arme-là, tu sais pas d'où elle vient, elle arrive. Je pense que le combat va être inévitable, c'est ça le plan. Ouais, ok. Bon. C'est pas un génie leur général. Hein. En vrai, il faudrait qu'on... Je suis même pas sûr qu'on la gagne celle-là. Il faudrait turtle dans un coin et y aller. Hein. On va essayer de leur faire le plus de pertes possible. Là, mon plan, ça va être d'essayer d'attaquer leur général, viser leur cavalier et avoir la mobilité. J'ai pas d'autre solution. Hein. Je vais essayer de faire paniquer leur armée. Allez. Attention ici. Attention. Ouf. Voilà, les chiens, on les dégage. Ça, c'est du quoi? C'est du Astati. Bon, là, on est en train de dégommer les Astati, c'est pas mal. Tiens bien. Ça c'est du Vélites qu'on va dégager. Ok, encore un de moins. Bon, c'est pas mal. On a rééquilibré la donne. Par contre, attention ici. Pour faire volte-face. Oh là, on peut peut-être wipe toute leur armée si on joue bien. Attention aussi. Aïe, 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 ça pue ça. Donc là, les bastards ont réussi leur coup, ça c'est bien. Oh, il y a un coup à faire là.
encore une unité qui craque. Ok. Allez, il faut mourir là, les mecs, c'est bien. Allez, on va la recharger dans le dos. Ça, si je perds comme ça, ça sera tellement moche. On essaie de faire le plus de pertes possible, hein, mais bon. Eh bah punaise, ça aurait été compliqué, hein. Bon, on a eu leur armée, tu vas me dire. Ouais, ça fait mal, hein. Allez, les Sith qui tiennent pas leur parole. Évidemment. Je donne un coup de main là-haut. Hein. Bon, après, ils étaient plus nombreux que moi, Momona. Je me dis, c'est une belle victoire quand même. Évidemment, ils se sont planqués dans la forêt, tellement qu'ils sont courageux. Oh la vache! Est-ce qu'ils nous mettent leur tireur? Voilà. Ah, ils ont même pas fait long feu, lui, ok. C'est quoi ça? C'est un détachement. Ça c'est les faucheurs, mais bon, on devrait vite se dégager ça. Putain, il est toujours pas mort, leur chef. C'est le nom de général qui meurt, ça arrive ou pas? T'es sérieux, je perds contre des pauvres archers, mais c'est n'importe quoi le jeu. Oh là là, mais sérieusement, c'est une plaisanterie là. À un moment, faut mourir là. Ah bah quand même. Ces hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Il reste quoi là? Des détachements. Voilà. Encore un de moins. Incroyable, hein. C'est détachement increvable. Après, ils sont dans les bois, peut-être, j'en sais rien. Ouais, ça c'est sûr. Bon, après les chars dans le dos, j'aurais dû peut-être faire mieux.
On a gagné, c'est le plus important, ça nous libère un front au nord. J'ai commencé à renforcer par des piquiers si je peux dans le secteur. Et là, il faut que je ramène impérativement des renforts à Apollonie. Attends une seconde. Tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. Puisque j'ai des écuries dans le coin. J'ai tout reformé là. Et je tente de vite partir à l'assaut sur eux. Sur Apollonie. Comme ça, avec mon armée de base là, je vais pouvoir former une. Hop! Je vais pouvoir partir du côté. Mais. Ah! Oh. Voilà, j'ai déjà 7 unités qui partent là. Je vais rajouter 2 hoplites en défense. Là, on aura une armée qui partira directement pour Rhodes. Ou peut-être Pergame. On va faire Pergame puis Rhodes. Je pense que ça peut être un plan. Bien sûr, vous sortez d'où, vous? Oh, c'est chiant, ça. Il te faut sortir des unités comme ça, gratos. Encore des troupes hein. L'ennemi a reçu des renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Arrivé une douce là. Ah mais c'est toute la cavalerie là-bas. Vite, on va essayer d'abattre ce général romain rapidement. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en, brisez l'élan de toute son armée. L'armée ennemie est en déroute. Attention ici, hein. Chassez-les du champ de bataille. Unité, au trop. Nous sommes attaqués. Miliciens, attaque. Unité, 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 chargez. Alors. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en. Brisez l'élan de toute son armée. Mission accomplie. Voilà. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. On a plus de la statue dans le dos. L'ennemi a été écrasé. C'est une brillante victoire, digne d'un grand général. Là, avec un peu de chance, Apollonie va peut-être tomber. Encore, mais ça suffit les débarquements à l'infini là. Rien pour emmerder le monde, tac. Là, nos piquets ils vont arriver, on va essayer de former des renforts de cavaliers. Allez, ça s'en va. Voilà.
Donc là, on commence à être bien, là. Bon, mais bon... Franchement, là, vous devenez chiant. Hein. Ah oh, bah oui, c'est des Macédoniens, c'est des piquets, j'avais pas vu. Voilà, je m'énerve, je vais trop vite. Je veux aller trop vite, moi. Est-ce qu'on peut recruter des gens là ou pas? Non. Oui, oui, grand stratège. En bas. Seigneur. À l'attaque. Victoire. Sire. Je vais juste embarquer un oupli pour faire la diff. À l'attaque. Là, on va essayer de dégager cette armée grecque. Attendez mes ordres. Unité. Unité en vitesse. Unité. Général. Allez, allez, allez. Alors, c'est quoi le général? Ils savent pas trop quoi donner. Comme ça, on va chercher leur tireur tout de suite pour être tranquille. En plus, c'est leur général. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en. Brisez l'élan de toute son armée. Loué soient les dieux. Le général ennemi est mort. Ses hommes vont connaître la peur. Bon, là on va tenter de tomber cette unité de cavaliers grecs. Recule, reculez, reculez. Alors ça c'est un hoplite, ça c'est des hoplites le roquet. Suivez-les, chassez-les du champ de bataille. Loués soient les dieux, cette victoire. Ouais, parfait. Quelle grande victoire! Toi, tu vas rentrer à Bilazora pour que t'as fait ton travail. Là, on a déjà une petite partie de l'armée qui est prête. Ah, faut que je refasse la bataille, j'avais pas vu. J'ai juste occupé. Ok. Bon, ça c'est fait. Une forge aussi. Ah, mais on a un nouveau gouverneur, parfait. Pas mal du tout. On va aller voir ce qui se trame du côté de Pergame. Je vais rajouter un sixième hoplite et deux cavaliers comme ça. Bon, vous trois là, c'est bien. On continue de rajouter des hoplites dans le coin.
peu de cave. Piquer cave. Et là, je vais commencer, je pense, à préparer une belle flotte pour aller chercher Rhodes. Alors ça nous fait 12 unités. J'attends vos ordres. Allez, j'ai embarqué les archers. Comme ça, lancement en route à Rhodes pour dans deux tours alors. Alors en fait, ce qui est chiant là, c'est négocier le passage là. Puissions-nous parler de... Non, je vais pas te donner cette info, toi t'es fou. Alors là, on va faire quoi? Des mines supplémentaires, des routes. Oh, mais il y a du monde ici. Eh ben, je vais recruter du Mercos, hein. Je vais pas me faire prier. Ok, bon. Pergame va peut-être tomber plus rapidement que prévu. Comme ça, là, on fera un petit tampon, on rajoutera des diplomates dans le coin, on fera, essaiera de faire des alliances de circonstances. On coule des rebelles. C'est très bien. Allez, pour le principe. C'est un temple en hommage à qui? À Hermès, ok. Donc Pergame, c'est fait. Je vais faire un hôtel en hommage à Arès, vu qu'on n'est pas sur un nouveau front. Alors, est-ce que je la gagne en réseau auto ou pas celle-là? Ouais, nickel. Comme ça, moi derrière, je pose le siège. On va accélérer un petit peu les choses. Il nous reste encore deux colonies à aller chercher. Je vais tenter de terminer la campagne ce soir en une traite. Enfin, en une session. Si vous voyez mon idée. Allez, plus on récupère le colosse de Rhodes. Bon, on va consolider nos régiments. On va laisser quoi ici? Les trois Mercos déjà. Comment ça, je suis en guerre avec les Séleucides? Bon, ok.
On va vite combiner nos flottes. Alors, comme veut l'Empire, celui-ci. Longuement avant de répondre. Une plaisante, pressez-vous. Notre patience a démarré. Bon, ils volent pas, ok. Alors, j'ai combien d'unités là-dedans? J'en ai déjà 12. Je vais rajouter lui. Alors, je peux encore ajouter 8 unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2 unités encore. Je crois que je vais partir sur ce piqué plutôt. Ok. Donc là, il me reste encore 2 colonies à aller chercher. Je continue de programmer, de produire des troupes à fond. Salut Cor, comment tu vas? Donc là, j'avance un petit peu sur ma fin de campagne avec... les Macédoniens, je pense que je vais pouvoir la boucler rapidement. Voilà. Dans 3 tours, j'y suis. Ouais, ça va, tranquille. Il ne me reste plus qu'à prendre 2 colonies. J'ai mon idée des colonies que je vais attaquer. Donc là, je suis en train de me... Oh, mais j'ai une peste, c'est magnifique. Je vais continuer de bâtir des trucs. Je suis en train d'essayer de faire 2 armées. Ah! Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Donc dans 2 tours, je suis à Syracuse. Ça, c'est good. Ah, on est en guerre contre eux aussi. Bon. Allez, oust. Hop, on va faire un mur ici. Bouh, tu as mis des murs à Sparte. C'est pas histo. Ah, oh, bah écoute, hein, c'est... déjà de base, c'est même pas moi qui les ai mis, Cor, c'est dire. Et que je comprends ta remarque. Point de vue historique. Putain, mon dirigeant, il est encore en vie, hein, du début. Ce serait drôle de réussir à faire la campagne sans qu'il meure. Et attends, je peux avoir des piquets, non, pas. Voilà. Comme ça, après, je commence à faire ça. Prochain tour, on est en Acoste. J'ai pas de port à Athènes. Bon,
Oh, mais il y a une révolte ici, ça m'arrange. Bon, allez, on va vite faire tomber ça. Alors, déjà j'ai un général là. Hop, ok, première chose de faite. Des mercos sans renfort, je prends. Alors, que me veut le pont ? Salutations. Voilà, comme ça on est sûr qu'il nous attaquera pas à Pergame, ça va stabiliser le coin. Bon, les DAS qui reviennent en masse, vas-y. Voilà, comme ça on le dégage. Ah, je suis bloqué, bien joué. Allez, on en termine avec les cités grecques. Bien. Et en vrai, si on n'arrive pas à prendre la Crète, j'ai toujours un plan B en Sicile. Hein. Kaiser fait de la fantaisie, c'est ça. Allez, on va terminer avec cette campagne. Pourvu que les DAS m'attaquent pas au dernier tour, ça serait drôle. Évidemment, ils m'attaquent. Ok. Bon. Kaiser of Mythology, ouais. On va dire ça comme ça. Donc là, le but, ça va être de se replier à la place. On va pas s'emmerder. Déjà avec mes cavaliers, je me mets ici. La place, il n'y a que deux accès possibles. Allez, allez. Quoi, je vais me superposer. C'est le cavalier en plus. Hein. Bon, les tours vont nous faire un peu de dégâts. Ou pas. Je vais tenter mon move. Hein. Si je peux vite abattre leur général. Oh ouais, bien sûr. Ah bah quand même. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Voilà. Vos forces dans l'assaut. Les dieux nous jouent des tours. L'ennemi a pratiqué une brèche pour nous. Je vais chercher leur tireur tout de suite pour être tranquille. Repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Oh, petite futée là. Mais d'où?
D'où il sort ce régiment-là? Non, mais... Bon, c'est bien, ils sont en train de se faire embrocher. Ils sont complètement capoutes. Ouais, on arrête les frais là. J'avais pas vu le bataillon dans mon dos en fait. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, juste avant pour le principe. Et là, on va terminer cette campagne sur... Ils sont arrivés tel Blutcher, c'est ça. Là, on va terminer cette campagne macédonienne, en principe. Bon, victoire moyenne, mais on prend. Voilà, entre le marteau et l'enclume, obtenir la victoire courte de la Macédoine. C'était ma dernière campagne en victoire courte à faire. Et on fête la prise de la Crète avec un petit passage de la population au fil de l'épée. La puissance des Macédoniens est à nul autre pareil, et leur empire est virtuellement invincible. Votre talent de stratège et de meneur d'hommes ont mené les Macédoniens à victoire, et des statues à votre effigie sont érigées dans toutes les villes. Les dieux eux-mêmes ont vu votre gloire. Continuez à jouer, oui. Bon, bah on a réussi à récupérer pas mal de villes. Hein. On s'est fait un beau petit empire. Hein. Donc on contrôle toute la Grèce, on est dominant. On va montrer la map effectivement. Je vais arrêter cette campagne-là, donc 2 heures aussi. J'espère que ça vous a plu YouTube. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles...